Tu aimerais débloquer 4 coffres luxueux, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la résolution d'une quête secondaire cachée avec différentes énigmes dedans. Cette dernière te permettra de gagner 4 coffres luxueux en une seule et même quête et au total 70 primogèmes. Avant d'aller la résoudre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, tu retrouveras des résolutions d'énigmes, des quêtes cachées, succès cachés, des routes de farm optimisées et des guides en tout genre sur Genshin Impact. Du coup, on se retrouve sur les îles funestes. Tout simplement, je pense que au préalable, avant de pouvoir faire cette quête secondaire entre guillemets cachée, il va falloir effectuer toutes les quêtes de Mona, d'accord? Donc en gros, il y a une quête Mona qui se trouve juste ici, hein, via ceci. Je parle uniquement de la quête de Mona, ok? Et ensuite, dès que c'est effectué, eh bien vous pourrez continuer en terminant la quête auprès du scientifique Fatui. Et suite à ça, eh bien, plein de petites quêtes se débloquent, hein. En réalité, tu le verras sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur plein de petites quêtes qui se sont débloquées à la suite de ça. Donc, je t'invite déjà à aller les voir, dont la dernière qui est sortie qui te permettra d'avoir 160 primogèmes. Voilà, au passage, je te le dis, comme ça, si ça peut te servir, eh bien, tu le sais. Elle sera dans la description ou par là à l'écran. Et donc, celle-ci, eh bien, c'est la même chose. On se retrouve sur les îles funestes et cette dernière va nous permettre de débloquer pas mal de primogèmes supplémentaires. On va commencer, du coup, par aller chercher les petites étoiles. Les étoiles, tu sais, c'est ce qu'on a vu durant la quête de Mona, justement. Des fois, tu devais suivre des petites étoiles. Eh bien là, il va falloir aller les chercher et en avoir un certain nombre afin ensuite de les accumuler et de les remettre à une petite statue de mémoire et ça te débloquera un coffre luxueux et ça sera un des 4 coffres luxueux. Bref, donc on va commencer sans plus attendre. Pour pouvoir prendre le courant d'air qui se trouve juste là, il va falloir activer la stèle Anemo et ensuite, eh bien, on va tout simplement voler. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Il aurait fallu que je prenne le courant d'air. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va se laisser tomber puisque la première étoile se trouve juste ici. Voilà. Juste ici, on la voit pas. Maintenant, on la voit. Donc ça, c'est la première étoile et c'est ça qu'il va falloir ramasser. Alors, on va en ramasser 7 de mémoire ici. Et il y en aura, je crois, au total 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est la première d'une longue série. On va continuer ensemble. Donc, suite à ça, on va aller chercher les 3 autres hein, qui se trouvent, il me semble, juste au voilà, juste ici. Alors, on les voit pas. Hein, ils sont pas sur le sol, justement. Il va falloir se téléporter dessus. Donc, on va activer ceci. Puis, ceci. Hop. Et ça, on le laisse comme tel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va, du coup, utiliser ça. Alors là, normalement, il va falloir le reset, le truc. Normalement, là, ça devrait bugger. Enfin, ça devrait pas marcher, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça n'a pas marché. C'est normal. Donc, il va falloir commencer par le feu. Donc, resetez-le. En gros, vous faites un ordre inverse, enfin, un autre ordre que celui que j'ai donné là. Et comme ça va le reset comme j'ai fait là. Donc, en gros, vous commencez par le feu. Vous faites ensuite le anémo. Puis, vous faites la glace. Et pour terminer, l'eau. Et là, ça ouvre, du coup, un passage. Ce passage-là va nous servir. Bien évidemment, on va se servir de ça pour monter. Nickel. Et on va se téléporter vers un endroit qui va nous donner du coup les trois étoiles, enfin ce qu'ils appellent les nucléus stellaires. Et surtout le premier coffre luxueux, les amis. On le prend bien évidemment et ça nous donne du coup 40 primogèmes. On va continuer. Le prochain se trouve en contrebas. Je pense qu'on va pouvoir voler jusqu'à lui. Donc le prochain normalement, voilà, se trouve juste là. Je crois qu'on le voit depuis ici, juste en bas. Donc la prochaine étoile, c'est parti. On se dirige dessus. Hop, on tombe ici, nickel. Et du coup, prochaine étoile ici. Ça c'est fait, on va pouvoir du coup sortir celle-ci, on va sortir celle-ci également, les 3 qu'on vient d'avoir juste précédemment, et on va aller chercher les 2 suivantes. Donc ensuite on sort de là, on va en contrebas, comme tu peux voir il y a un tas de roches ici, et eh bien on va tout simplement le casser, voilà, alors on va le casser pas de cette façon, hein. On va le casser, essayer de le casser du coup avec quelque chose de plus efficace, hein, si vous avez un personnage armable de main ou un petit zongli, ça serait mieux. Ou un personnage géo, voilà. Bon, on va le casser comme ça. On va perdre un peu de temps, c'est pas bien grave. Du coup, là, l'étoile se libère. On va la suivre, bien évidemment. Hop, on va tout en haut.
On va pas passer par là. On va passer côté droit. Ok. Hop. Voilà. Ici, du coup, elle se trouve là. Et la dernière se trouve dans un mur, un peu comme celui qu'on a vu dans la quête de Mona. Donc le mur qui se trouve, hop, juste ici. Voilà. Ici, on active. Et normalement, elle va se déplacer vers un autre endroit. Et justement, c'est là où on va trouver la huitième étoile. On la suit. Ok, elle rentre dans l'eau. Donc juste avant de rejoindre l'étoile et du coup de d'entrer dans l'eau, actionnez d'abord la stèle Anemo puisqu'elle nous servira pour l'autre étoile qui se trouve dans l'eau justement puisqu'il y en a une autre, une huitième. Donc le fait que vous activiez cette stèle, ça vous servira par la suite. Donc là, on va aller du coup rejoindre l'autre étoile. Oh, eh bien, on va la suivre dans l'eau. Parfait. Et là, elle se trouve juste derrière nous. Ok, nickel. On va continuer à la suivre. Ok, on a enfin fini de la suivre. Décidément, elle aurait pu passer la sixième, honnêtement, parce que franchement, elle a mis 20 ans à se déplacer, c'était horrible. Donc on se retrouve face à ce défi. Donc en réalité ce défi ne nous intéresse pas, hein. C'est surtout ceci qui nous intéresse. Et le fait du coup d'avoir activé la stèle Anemo va nous servir ici, puisque juste au-dessus tu peux voir qu'il y a un genre de courant. On active un personnage Anemo, une compétence d'un personnage Anemo ou une attaque normale, bref, on utilise un élément Anemo et ensuite, eh bien comme tu peux le voir, il va y avoir une plateforme un peu invisible tout simplement. Et sur lequel repose une des étoiles, la huitième et dernière étoile, les amis. Donc on va pouvoir sortir toutes les étoiles. Hop, on a terminé ce qu'on avait à faire. Donc là, on a bien nos huit normalement. Ici précisément, voilà, les huit étoiles. Parfait. Et dès que c'est fait, eh bien on va rester hein, finalement dans cette île funeste-là. Ok, et on va aller activer la stèle Pyro de mémoire. La stèle Pyro qui se trouve juste ici. Ça nous servira par la suite, hein, donc faites-le au préalable. Sinon, vous allez devoir retourner en arrière, c'est dommage. En vrai de vrai, en feignant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre notre meilleur Humber, la petite Humber level 20 qui est ici, nickel. Et puis, vous allumez du coup la stèle Pyro. Voilà, parfait. Et puis, on va continuer du coup, tout simplement par là. Vous me suivez, les amis. On va devoir escalader par ici. Ok, on garde un peu d'endurance. Nickel. On va passer par la droite. Et on est arrivé au point de rendez-vous. Là, il va falloir justement remettre ces fameuses étoiles. On a du coup ceci. On va placer les 8 étoiles. Voilà, une à une. La troisième, normalement, va nous débloquer quelque chose. Voilà. Ceci, un petit passage. Nickel. Petite animation plutôt sympathique. On continue à les disposer et arriver du coup à la dernière. On va débloquer ce fameux coffre luxueux qui ne va pas nous donner 40 primogèmes, mais 10. Celui-ci, par contre, il va nous donner également une petite étoile que l'on va devoir suivre, les amis. On va passer par là. Et on va suivre l'étoile une nouvelle fois. Arrivé en haut, vous avez un nouveau coffre luxueux, le troisième, encore un. À découvrir, ce qui nous a donné encore une fois 10 primogèmes, si je dis pas de bêtises, donc on en a 60 pour le moment.
les 42 départs et les 20 qu'on vient d'avoir avec ces deux-là. Nouveau passage, encore une fois. On va pouvoir la toucher. Ok, ça nous téléporte quelque part. Ok. Et nous avons ceci. Ça nous permet du coup, ok, de changer. Oh gars, oh magnifique. Incroyable. Donc il fallait la toucher pour, j'imagine, débloquer le coffre luxueux qu'il y a face à nous. Magnifique. Magnifique animation une nouvelle fois. Une autre étoile qui arrive, j'ai l'impression. Ok. Et normalement, voilà, le dernier coffre luxueux qui se débloque devant nous, les amis, ça fait plaisir. Et du coup, là, on est dans le ciel, incroyable, en vrai. Magnifique. On va du coup pouvoir terminer cette vidéo comme ceci. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire et à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On a quand même débloqué 4 coffres luxueux au total dans cette vidéo. Ce n'est pas rien. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok, les liens de ces chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!